art of the ballerina is constantly stretched. In each generation, new choreographers... L'art de la ballerine ne cesse de se développer. À chaque génération, les chorégraphes cherchent de nouveaux moyens d'expression, imposant des exigences de plus en plus grandes qui enrichissent le langage de la danse. Roland Petit, en créant pour moi L'Ange Bleu à Berlin en 1985, rechercha beaucoup de mouvements et d'émotions que je n'avais jamais connus dans les ballets russes. Hop, slow! Voilà. One, two. One, two. Le style de Roland Petit est très difficile à définir car il est dépendant de l'histoire qu'il raconte. Il faut d'abord chercher pour trouver la clé des personnages. Attrape-la. Voilà. Très bien. Car le talent de Roland Petit est intuitif, français avant tout. Et là, lentement. Hop. Maurice Béjart, considéré souvent comme le plus grand des chorégraphes modernes pour les rôles masculins, a aussi créé de superbes chorégraphies pour les ballerines. Elle n'est pas exactement pareille qu'avant comme position du corps, tu vois. Il faut qu'elle soit plus sur sa jambe, sur elle-même, avec les bras, tu vois. Hop. Marcia Haïdé et Georges Donne répètent sous sa direction un pas de deux qu'il a créé pour eux dans son ballet. Et là. Et là, souris-lui et... Ah. Bien sûr, le classique a créé l'image, l'idée de la ballerine, car le rôle du danseur était très effacé, juste pour soulever la danseuse et n'être que son cavalier. Il nous faut en venir au moment où hommes et femmes sont à égalité. À l'époque romantique, il n'y avait que des femmes sur scène. Les hommes n'étaient là que pour les aider. Puis les choses ont changé et maintenant nous devons pousser les hommes à danser avec une meilleure technique, de la force, de la virtuosité. C'est une émulation pour les danseuses, vous savez. Je crois que maintenant, ils sont à égalité. Un, très léger, hop, et deux, trois, hop, arrondis bien, tac, tac, hop. À New York. Avec Jérôme Robbins, le chorégraphe de West Side Story, d'Un violon sur le toit, de Fancy Free et de Danse lors d'une réunion. Il a créé pour Mikhail Varishnikov et moi ce ballet Other Dances. Maybe I should take this. It's too hot. Take this out. Same thing, let's keep tempo on it a little bit more. But I want to sing. You sing. Il essaie mille et une façons d'exprimer quelque chose. Ce qu'il décide finalement convient toujours parfaitement à la musique et au corps du danseur. Cependant, il reste toujours une possibilité pour l'expression personnelle. Quand je lui demande ce que je dois faire, il me répond... C'est vous qui savez le mieux. Thank you.
you speed up. You do 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 1, 2 again. Sometimes you go up on the 1. Yeah. You rush. You have more time. You want to do the... But you would like me to be after 1, I think. Oh, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plie 1, 2. Chez Jérôme Robbins, la musique, au fur et à mesure qu'elle pénètre son esprit, fait naître des séquences chorégraphiques précises. Watch. Just right from there. From the... The third one. All right? And... Just a little bit before. 4 bars. Robbins compte parmi les plus romantiques des chorégraphes modernes. Il semble avoir un sens inné d'un mouvement toujours contrôlé. Jérôme Robbins, poète du mouvement. Certaines de ses œuvres, comme Other Dances, s'appuient sur les principes du ballet classique. C'est toujours sur ces grands rôles classiques que l'on juge les ballerines de chaque génération. Quelle est la différence entre une bonne danseuse et une ballerine? Same thing except a ballerina is much better. Aucune. Sauf qu'une ballerine est bien meilleure. Une ballerine doit être parfaite. Comme une prima donna. Elle doit être la meilleure dans son répertoire classique. Elle doit pouvoir danser le Lac des Cygnes, Gisèle, la Belle au Bois dormant, à la perfection. Anthony Tudor a raison. Ces trois ballets offrent aux ballerines des rôles qui sont de véritables défis. Aurora, dans La Belle au Bois dormant, Gisèle et Odette, du Lac des Cygnes. Une princesse à qui on a jeté un sort devient Odette, la reine des cygnes. The wings start here, yes? J'ai interprété ce rôle pour la première fois au Kirov, il y a 25 ans. En faisant répéter Raphaël Larenzi, jeune danseuse du ballet de l'Opéra de Berlin, je me suis rendu compte qu'au cours des années, et après tant de représentations, j'avais fini par connaître le personnage d'Odette très intimement. Ok, now is arabesque, yes? All back, forward, front. That's your song. Pour le Lac des Cygnes, une ballerine doit avoir des qualités physiques spéciales. Ligne douce et gracieuse, de longues jambes, un long cou, des bras souples et expressifs, des pieds bien cambrés. Now, what's happened? What's happened now? Come here. What's happened? I see him. You see him? I didn't see you see him. Can you show you see him and you're frightened? First, it's too tense. Where is he? What is he? Yes. Okay, everything frightening, yes? Nervous. See him? No, it's not enough. No. You go, leave it to the last moment. Watch him. He's there. So he's not here, but imagine. He's there, yes? Lorsque vous voulez courir, vous tournez d'abord la tête, car vous voulez suivre ce qu'il fait.
You don't know what he will do with you. Maybe he shoot you. Vous ne savez pas ce qu'il va faire. Vous tuer, peut-être. Better. Le lac des cygnes est un drame lyrique qui nécessite non seulement une technique irréprochable, mais un don particulier pour l'expression dramatique. Pensez au cou. Pour le cygne, c'est une partie du corps très importante. Tout le monde attend votre départ, votre chant, l'histoire que vous avez à raconter. Vous devez préparer l'atmosphère de votre solo, une atmosphère autour de vous. And you have to present yourself. First, technically, I don't think it's very good to do like that. And the normal walking through the stretch the feet, but put the heel down. Yes, and you start or whatever. Au cours des années, mon interprétation d'Odette a changé. À une époque, j'en faisais une jeune fille craintive, un oiseau apeuré. Plus tard, j'ai effacé le mimétisme avec l'oiseau et je me suis concentrée sur sa nature humaine. Mais cela allait trop loin. Ensuite, je crois avoir trouvé la façon idéale d'interpréter ce rôle. Odette est une jeune fille oiseau ensorcelée qui connaît son destin. Elle sait que la quête d'amour humain ne peut que se terminer par un échec. Oh, stop now, stop, stop, please. Well, we have to start all over, all again. You need a lot of work. Vous devez encore beaucoup travailler. You have such a nice extension. Vous avez une si belle extension. Pourquoi vous n'utilisez pas vos jambes? Le rond de jambe doit être ici. Voyez votre jambe. Elle peut aller jusque là. I see only this way. Why don't they use one rond de jambe? They go up, up. Do it without point. Just show me. One rond de jambe. No, you're doing this and after that. Where is the... Around and continue to together leg. Not just one part leg and after other part leg. You know, around, around. Develop. And one from the knee up. Better. In one movement. Three, four. Okay, what is here? What is you want to say here? Like, you want to fly and you cannot. Up and down. You want to fly and you can't. Vous voulez voler et vous ne pouvez pas. Vous vous plaignez. Vous ne pouvez pas voler car vous êtes sous le maléfice. Alors faites-le avec ce sentiment. Pull up here. Push the floor. Away. Away. Floor. I have to take picture from. Fly. No. Don't abrupt your movement. Don't be. Don't dance like I told you. Non. Ne dansez pas comme je parle anglais. Ne dansez pas de cette façon. OK? Connect everything. What is that? Suddenly, bloom, jump. What? Stop. It's okay. Let's do.
Vous me rappelez quand j'étais élève. Regardez ce que je faisais. Ça devient très technique. Et puis, continuez à être dans votre personnage. Je crois que c'est plus expressif si vous commencez ainsi. But your arm's not classical shape. So, or you do swan arms on the pirouette, yes? And so you have to breathe during her, or you just do classical, yes? Choose. Le choix définitif appartient à la ballerine. Son interprétation doit être inspirée par sa sensibilité. This I like, but it's really hard. Yeah, because I start to do this, no? Don't do that. La pureté académique impose les pas. Après, c'est à elle de décider. Troisième acte, la ballerine devient Odile, déguisée en cygne noir. C'est une grande chance pour une ballerine de pouvoir montrer la diversité de son talent. Elle doit passer de la pure et innocente Odette à une Odile malfaisante, sûre d'elle et irrésistible. C'est le signe noir, hein, pas le signe blanc. C'est donc une autre énergie, un autre tempérament, un autre personnage. Décrivez-le. Powerful. Powerful, brilliant, seductive, strong, guts, and exciting woman, okay? Yeah. So it has to be exciting and not too sexy. No, sensuous. C'est trop tôt pour se le représenter. Mais cela vous aidera si vous ne pensez pas qu'à la technique. C'est tout de suite autre chose. Ce n'est pas de la mélancolie, ce n'est pas lyrique. Lyrical and vulnerable opposition. And feel the sensational muscles. If you already imagined it is this is in the character. So that's what you have to work, proper work. Si vous utilisez vos muscles, vous sentez votre corps, cela fait déjà partie du personnage. Vous ne pouvez pas jouer Odile avec les jambes raides. Dépassez-vous, sentez-vous grande. The second
great classical role by which a ballerina is judged. Le second grand rôle sur lequel on juge une ballerine, c'est Aurora de La Belle au Bois Dormant. Là, nous sommes comparés aux gloires légendaires. Par bonheur, nous en avons un témoignage, celui de Margot Fontaine. Fontaine apporte tout à ce rôle, la pureté classique et le rayonnement de l'éternelle jeunesse. Aurora est le suprême défi de la chorégraphie du 19e siècle. Il faut à la fois de l'habileté technique, de la vigueur et une maîtrise exceptionnelle du style classique. Watch out for the quadruple pirouette. Regardez la quadruple pirouette à la fin du solo d'Aurora par Elisabeth Platel de l'Opéra de Paris. Thank you.
The third great role, my favorite, is of course Giselle. Le troisième grand rôle, mon préféré, c'est Giselle. La tragique histoire d'une jeune paysanne qui devient folle et meurt d'une crise cardiaque. Albrecht, un noble, l'avait abandonnée. Elle ressuscite pour lui sauver la vie. Une des représentations légendaires de Giselle est conservée sur film, comme pour nous inspirer. En Russie, la grande Oulanova fit de Giselle son rôle principal. Alicia Markova, elle, fut une des plus grandes interprètes du rôle en Occident. Lors du premier acte, le bonheur innocent de Giselle et son amour pour Albrecht tournent à la folie. Frappée d'une crise cardiaque, elle meurt quand le rideau tombe. Quand j'ai dansé Giselle pour la première fois au Kirov, j'avais à peine 19 ans. Ma conception du personnage était très naïve. L'intrigue était un mélodrame assez simple. Des années plus tard, après ma venue en Occident, j'avais une vision plus claire. En fait, Giselle n'est pas un simple drame romantique, mais un drame né du conflit entre le corps et l'esprit. C'est une tragédie de l'amour. Dans le premier acte, les amoureux sont heureux, mais ne peuvent s'unir charnellement. Dans le deuxième acte, leur union se réalise par l'esprit, mais le corps n'est jamais concerné. Deux actes dévoilent les manifestations de son cœur, ses différents états d'esprit, dans une âme unique. Dans le premier acte, elle est accablée par une vie de tous les jours que perturbent les premiers sentiments amoureux. Au deuxième acte, son âme, purifiée d'une vie de tous les jours, découvre la sagesse et la sérénité. C'est l'âme féminine dans son aspect le plus pur. Mon partenaire, Alexander Sombast, doit m'aider à vaincre le sens de la pesanteur. J'essaie d'être simple, légère et aérienne. Même dans un studio de répétition, en tenue de travail et accompagné par un simple piano, vous devez créer l'atmosphère.
travailler les sentiments autant que les pas. Et puis, lors de la représentation en public, particulièrement dans Gisèle, je dois oublier mon corps et me laisser dominer par mon esprit. It is always a great challenge to recreate the great classical roles. C'est toujours un défi que de reprendre les grands rôles, de redonner vie aux grands classiques. Mais la danse ne peut survivre uniquement en recréant le passé. J'ai quitté la Russie parce que j'avais besoin de nouveaux rôles, de l'émulation qu'apporte le travail avec de nouveaux chorégraphes comme Kenneth MacMillan. I think all the big roles I've created for the female dancer. Tous les grands rôles que j'ai créés pour les danseuses ont été des rôles dramatiques. D'une certaine manière, ces rôles ont été modifiés tout au long des représentations, généralement de façon désastreuse. Je ne leur demande pas d'exécuter les pas acrobatiques de Marius Petipas, comme les 32 fouettés ou les soubresauts de la Belle au bois dormant. Je leur demande simplement d'exprimer davantage par leur corps. Ce sont vraiment des héroïnes tragiques. Je veux que le public ressente profondément tout ce qu'elles font, de façon que lorsque le rideau tombe, ils continuent de croire que le personnage existe. Ce que nous vivons aujourd'hui, certaines choses qui nous entourent ne s'adaptent plus aux classiques du 19e siècle, et je trouvais que le ballet devait grandir un peu. Dans le premier acte, la Manon de Kenneth MacMillan est une jeune fille innocente qui arrive à Paris. Son frère, Lescaut, s'empresse de vendre sa propre sœur à un homme beaucoup plus âgé, très riche, qui fait entrer dans l'appartement de Manon. L'homme offre à Manon un collier de diamants et un superbe manteau. Après son arrivée à Paris, Manon fait aussi la connaissance du jeune Desgrieux, qu'il aime sincèrement. Mais elle est davantage attirée par la fortune que ce riche monsieur lui offre. Ce qui me fascina dans Manon, c'est qu'il s'agissait d'une jeune fille qui vivait sa sexualité sans crainte ni culpabilité. Ce qui l'effrayait, c'était la pauvreté. Et elle était prête à n'importe quoi, même à trahir son amour, pour être riche. Pour Manon, je me suis faite très française.
Je parle français avant la représentation. Je joue les coquettes avec les hommes qui m'entourent. Peut-être pense-t-il que c'est ma nature, alors que c'est pour recréer le personnage. J'essaie de trouver les sentiments justes, l'atmosphère, les gestes, au point que le personnage subsiste après la représentation. Parfois, il me suit pendant quelques jours, voire plus longtemps. Like many choreographers, Kenneth MacMillan turned to the tragic story of Romeo and Juliet. Kenneth MacMillan s'est aussi passionné pour Roméo et Juliette. Le moment où Juliette, s'armant de courage, absorbe le somnifère, demande plus de jouer que de danser. À l'opposé de Manon, Juliette n'est qu'une jeune fille terrifiée et désespérée. Thank you.
Another modern choreographer who will be recognized as a master in the future is John Cranko. John Cranko, un autre chorégraphe qui sera reconnu un jour comme un maître, lui aussi a créé une merveilleuse Juliette, jouée pour la première fois à la Scala de Milan en 1958 par la ballerine Carla Fracci.
Je dois avouer que j'aurais aimé connaître l'expérience de créer ce rôle avec John Cranko, être sa muse comme Carla Fracci, qui se souvient très bien. Vous savez, tout d'abord, nous sommes allés voir Roméo et Juliette au cinéma à Milan. Ulanova dansait le rôle. Nous avons vu le film deux fois. Puis, nous avons commencé et bien sûr, ce fut très difficile. J'étais très jeune, sans expérience, mais le talent était là. On parlait sans se parler, parce que notre langage, c'est le mouvement. Nous n'avions pas besoin de parler beaucoup. Il me disait simplement, vous savez, Carla, nous faisons ceci. Et je disais oui. Et puis, petit à petit... John needs somebody that understands him. John avait besoin de quelqu'un qui le comprenne, qui collabore également avec lui. J'étais, vous savez, très réservée. Je dis, John, qu'en pensez-vous? Peut-être qu'à la fin, par exemple, je pourrais prendre sa main ou quelque chose comme cela. Il m'a dit, bien sûr, c'est fantastique, faites-le. Il avait besoin de cette collaboration, de cette inspiration. On doit aussi mettre une partie de soi-même dans le ballet. Pour finir, un autre rôle créé par John Cranko. Ce sera l'un des grands défis artistiques sur lequel les futures ballerines seront jugées. Le rôle de Tatiana dans Onegin. Je vous ai déjà montré la jeune Tatiana amoureuse. Onegin rejette ses avances. Des années plus tard, alors qu'elle est mariée, il lui écrit. Il lui déclare son amour et va la voir pour obtenir sa réponse.
Côté en province, où ça arrive toujours avec un petit peu de recul, on est content que les gens se déplacent comme ça et fassent un espèce de court-circuit, que Paris passe en dernier un peu. Bernard...